Bonjour, bonsoir les amis, c'est Marigas et on se retrouve pour le deuxième épisode de Evoluland. Je pense que c'est ça le nom. Oui, Evoluland. Non, Evoluland. On s'était laissé ici dans le village. Un endroit que j'ai pas beaucoup avancé encore. Je m'étais un peu baladé. Il est là, lui. Hop là, des PNJ. Enfin, quelqu'un à qui parler. Désolé, je parle pas aux enfants. Et fuck! Va jouer avec les autres enfants. Bref, tous les adultes nous envoient tous bouler. Adultes. Personnage un peu plus grand, on va dire. Parce que moi, j'ai pas l'impression de ressembler à un gosse. Quoique. J'ai l'impression d'être un personnage miniaturisé, un peu comme dans Pokémon. Les jeunes ne sont pas dans avec les enfants, sinon j'avais une graine de croissance. Je ne serais plus un enfant. Mais la graine, j'ai trouvé dans un puits. En fait, il fait trop noir, non, je veux pas y aller. Ok, donc comme vous l'avez vu, le puits est tout là-bas. Mais d'abord, j'ai envie de voir les coffres. Les maisons sont ouvertes, ça commence à creuser chez tout le monde. Ça, c'est bien. Qu'est-ce que ce serait? Ce serait pas RPG hein, si on pouvait pas se balader chez les gens comme ça. Ah, coffre. Ah, ça, c'est bien. L'aubergiste. Oui. J'espère que ça c'est un spawn. Ah merci. D'accord, donc c'est comme ça que je vais devoir sauvegarder maintenant. Ça va me coûter 10 glisses. Ok. Bon, je m'en fous, j'en ai gagné pas mal dans mes combats précédents. Ah, j'ai oublié de reset mon chrono, donc tant pis, hein, j'aurais mis de retard. Alors voyons, voyons cette maison ce qu'il y a. Un border. D'accord, ok, merci. Il faut vraiment que j'aille dans ce puits, moi. Et aussi, il va me refouler. Désolé, je parle pas aux enfants. Bah ouais, forcément. Je vais voir là. Ah, tiens, celle-là, je peux pas incruster. Cette porte est fermée, il y a peut-être quelque chose par là. Ok, bon, allons dans le puits. Endroit secret. Qu'est-ce que vous faites là? Voyons ce qu'il y a. Ouais, je l'ai vu, hein, la graine, hein, vous inquiétez pas. Mais avant de grandir, j'ai bien envie de fouiller un peu la grotte. Ah, voilà! J'ai gagné un verre pour jouer au Double Twin. J'ai vraiment envie de savoir ce que c'est que ce jeu, on empêche. Ça semble assez tentant. Bon. Il est grand temps de grandir. Et bah voilà! Là, c'est plus la classe! Pourquoi y a-t-il tant d'enfants dans les jeux vidéo? Bonjour! Ah, là, vous me parlez, là! Une vie est passée quelque temps, une amie peut-être? J'avais vu, moi. Un cristal au nord. Très dangereuse, on dit qu'un fantôme de Kefta y habite. Kefta. Kefka il me semble. On n'est jamais revenu à trouver. Kefka, voilà c'est ça. Kefta, n'importe quoi moi. J'en ai trop pris gros. Dork. Donc là il y a un lit mais je peux pas dormir dedans forcément. Ouais, j'ai trouvé un truc. J'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. Ça devait être une potion. Sauf que j'en avais qu'une sur moi. Ok. Tout le monde parle du nord, mais moi je peux pas y aller au nord. Mais équipement pour y passer. Ok, donc je suppose qu'il faut que j'aille acheter de l'équipement à l'autre qui voulait pas me parler tout à l'heure parce que j'étais qu'un enfant. Et qu'on ne vend pas d'épée aux enfants. Salut toi. C'est juste pour me dire ça que tu me disais que tu parles pas aux enfants, mais t'es relou mon gars. T'es relou. Le mec il dit pas bienvenue aux enfants. Une épée longue. Une armure de cuir, queue de phoenix, carte rare. Oh, je prends une épée longue. C'est bien. Ok. Salut toi. Tu me dis toujours la même chose toi. T'as pas grandi beaucoup.
Donc, je vais pas y aller de suite. Je vois pas trop ce que je dois faire. Si je dois attendre d'avoir une armure pour pouvoir passer de l'autre côté. Côté du pont là. C'est peut-être ça. Parce que là-haut, je peux rien faire. Cette maison elle mène à rien. Donc c'est ça, je pense qu'il va falloir que je fasse du farming. Pour me récupérer une épée, je recheck quand même, on sait jamais s'il n'y a pas un passage pour sortir. Et ultime de tout. Ah, d'accord. Medium de message, très approprié. Bon, ok, bon, il n'y a rien ici. Bon, bah, on va farmer, hein. On va se récupérer. Il me faut combien là? J'en suis à combien? 40? Il me faut 260 minimum. Et je reviens. Bon allez les mecs, j'ai pas 10 ans là. Si vous pouviez farmer... Enfin, si vous pouviez arriver assez vite. Oh mais un seul quoi, je vais rien me faire sur lui. Voilà. Direct. Bon, plus. Il me faut plus d'ennemis. Plus d'ennemis. Allez, oh mais... Mais tu pues toi, allez meurs, dépêche-toi. Au mieux là. J'ai pas envie de farmer pendant des heures non plus. Ah bah voilà, déjà ça devient un tout petit peu plus intéressant. Voilà, lui c'est réglé. Parce que stratégiquement j'aurais dû attaquer le slime avant. J'en suis à 200 là, donc de gagner. Allez. Donc pour le moment c'est du farming bête. Je vois pas d'autre solution. 250. Pour le moment je vois pas d'autre solution, ça se trouve la solution elle est béant. Mais c'est pas du tout ce que je suis en train de faire, mais. Pour le moment moi je me cantonne à faire ça. Allez toi tu meurs. Et sans glisse pour ça parfait. On en est donc à peu près à 7 minutes. Voilà, je vais les buter eux. Allez hop, tu triages. Parfait, on y retourne. Papunica, le village de Papunica, d'accord. Donc le inn. Enfin, c'est pas le inn ça. Acheter. Donc. Ah bah, charge assez pour les deux, parfait. Je vais retourner maintenant dans votre inventaire et acheter. Ça. Pour combattre des monstres plus puissants. Ok. Et à vendre dans une de mes potions. Ouais. Ouais, on va faire ça. Et c'est bien ce que je pensais. Il fallait bien que j'aille farmer un peu. Non, l'autre, il devrait pouvoir me laisser passer sans souci. Ah, tu vois. Merde, il est gentil. Hein. Vas-y, laisse-moi tranquille. Ah là maintenant il y a des monstres qui peuvent apparaître. On va forcer. Quelqu'un appelle à l'aide. Oh Skaven, qu'est-ce que c'est que ce truc? Elle a été par ces monstres. Qui c'est ce quelqu'un là? J'ai pas vu moi. On va attaquer lui. J'aimerais bien voir ce que fait mon objet là. Ah bien, ça la régène. C'est pas mal ça. Et ben voilà, c'est... J'ai quelqu'un pour m'accompagner à mon combat maintenant. Ça fait plaisir. J'ai besoin du pouvoir du cristal de la caverne pour sauver mon village. Bah oui, j'ai pas le choix de toute façon. Au fait, mon nom est... Au choix. Ça me semble un peu linéaire. Alors son nom à elle, bof. Je vais la laisser s'appeler comme ça. Kéris. Ok. Sauf que nous on va se quitter là. Du coup je vais retourner au inn. Je vais faire une petite sauvegarde et puis moi je vais vous laisser là les amis. Donc n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si ça vous a plu, de commenter, de partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir ce genre de jeu, hein, un peu rétro.
en espérant que ça continue à avancer, parce que personnellement le combat en tour par tour à la Final Fantasy, ça me plaît moyen en fait. Mais on verra bien, ça se trouve ça va pas du tout évoluer, puis au final moi je vais finir par kiffer, hein, mais si ça pouvait évoluer assez vite, moi ça ne dérangerait pas. Ah bon, bref, on va se faire de la partie, puis ciao à la prochaine les amis.